Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour un haul action et pour vous présenter des feuilles Harry Potter que j'ai commandées sur le groupe Scrapper les Popettes de Véronique. Donc je vous montre tout ça. Donc tout d'abord j'ai racheté du vernis gloss. Je vous ferai une petite vidéo pour vous montrer ce que moi je fais avec sur des plumes, des gradés et tout ça. J'ai trouvé des pinceaux à réservoir. Donc j'ai les deux pour, ça doit être 0,99 centimes je crois. J'ai trouvé aussi un set de peinture aquarelle. Donc je ne sais pas du tout comment elle se présente à l'intérieur. Voilà. Bon, c'est des couleurs basiques. Je vais essayer tout ça, voir si ça fonctionne bien. Je vous dirai quoi. J'ai trouvé ce bloc de feuilles 30 par 15. Je vous montre. Donc là, on a en or, la rose. Donc il y en a avec du foil, ils sont brillants. Il y en a avec des paillettes. Voilà. J'ai trouvé les dies que tout le monde a dû déjà voir. J'étais trop contente de les trouver parce que avec des formes je n'en ai pas. Bon, j'étais plus intéressée par les ronds et les carrés pour faire des cartes. J'ai trouvé ces tampons. Donc ceux-là je les aime beaucoup, ceux-là. Les cactus. Un petit hibou, des chats, sont trop mignons. Et là c'est Love, un petit cœur. J'ai trouvé aussi, alors, des classeurs, des petits modèles. Et les grands modèles. J'ai trouvé des stickers. Donc d'après ce que je vois, ça serait des choses en paillettes là qui s'enlèveraient. Et en dessous, ça serait qu'une image. Je vais essayer d'en ouvrir un. Donc oui. Donc en fait, c'est des stickers comme ça, transparents. Et il y a une image en fond, bon, que je vais récupérer, hein, parce que le petit pingouin et tout ça, ils sont trop beaux. Et les fonds sont magnifiques, en fait. Donc j'en ai trouvé 5 différents, je sais pas s'il y en a plus ou... Les lamas. Et j'ai trouvé des tampons avec les blocs. Bon, c'est un peu stupide parce que chaque fois on se retrouve avec des blocs quoi. Bon, ça sert toujours. J'ai vu sur un groupe sur Facebook, il y en existait 5 différents. Moi, il n'y en avait que 4. Il y en a un que j'ai pas pris, c'était des papillons. Et il y en a un autre, c'est avec des attrape-rêves et tout ça. Il est magnifique, mais moi je ne l'ai pas trouvé. J'ai trouvé celui-là avec le petit banc, les fleurs, les viennoiseries.
et les fleurs et le petit vélo. Et j'ai trouvé les tampons avec des classeurs. Donc là, j'ai pris les seuls modèles qu'il y avait. Donc il y avait un grand et trois petits. Avec une petite fenêtre pour faire des cartes. Celui-là, j'aime bien parce que c'est imitation brique. Et pour finir, un petit bloc sur le thème de l'océan. Je vais pouvoir refaire mes albums avec un petit hublot et un grand. Donc c'est Once Upon a Time. Un petit lama. Les Pégases. Des oiseaux. Des cygnes. Donc là, c'est tout pour Action ce matin. Et j'ai commandé, donc ceux qui me suivent sur la page Facebook ont vu que j'ai commandé des feuilles Harry Potter. Donc la texture de ces feuilles, elles sont brillantes, je sais pas si vous allez voir. Elles sont lisses en fait. Donc il y a des petites feuilles comme ça. Donc toujours par deux. Comme ça. Ou des bougies derrière. Celle-là, c'est une en plus. Je ne sais plus comment ils avaient appelé ça. Celle-là, il n'y en a qu'un modèle. Et donc, des grandes feuilles. Donc aussi par deux. Le devant, recto et verso. Donc plutôt celle-là. Voilà. Une petite cravate, des étoiles et des lunes. Donc je vous montrerai le projet que j'ai avec. Ah oui, j'ai oublié de vous montrer. J'ai qu'une main, donc c'est compliqué. Des die cuts que je vous montre, voilà le dernier. Donc comme je vous disais, je vous montrerai le projet que j'ai l'intention de faire avec ces feuilles et ces die cut. J'ai d'autres projets aussi hein, sur un miroir qui sera comment dire le... Oh, j'ai un trou.
la carte du maraudeur, voilà, que je vais graver. Bon, j'attends mon matériel pour que je puisse vous montrer un petit peu tout ça. Et bon, je vous dis à bientôt pour de nouveaux projets et bye bye.